Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo des petits plats du soir. Comment allez-vous en cette première semaine de. Enfin, cette première journée de semaine? Ça va, ça t'est pas trop dur du fait que tout le monde soit rentré à 18h à la maison? Nous, ça... bah, nous, on a travaillé, hein, malheureusement. Moi, je suis parti, c'était 18h15. Donc, j'étais obligé de mettre sur mon truc de téléphone, bah, comme quoi que je suis sorti du travail, quoi. Sinon, sinon, ça aurait été la galère. La gaga, la gaga, la gaga, la galère. Donc aujourd'hui, un petit truc tout simple, hein, voilà, on va faire des petites coquillettes à la sauce tomate aux olives, ça. Comme ça fait, je me rappelais plus que je l'avais. Là, je mets du beurre dans ma caca casserole. Après, je vais rajouter mes papates. Et avec ça, on va faire des. Mais c'est baissé! Oh, là, il est assis. Il n'est pas assis, je viens de le baisser. Aïe, oh! Vas-y, je me suis pris l'ongle dans le bordel. Bon, ça, j'ai fait aïe. Donc, comme je disais, je viens de faire des petites coquillettes. Je viens de faire des petites coquillettes. Je fais tout à la sauce tomate ou tu veux des coquillettes nature? Non, bon, je fais tout alors. Donc bien sûr, comme d'habitude, encore une fois, je viens de faire pour un régiment. Oui, alors tu m'as dit tout à l'heure. Oui, en plus, j'ai dit à Cécile, bah, chérie, t'inquiète pas, je vais pas en faire beaucoup, bah, mon cul, ouais. Je me suis encore fait avoir. Encore ça va, j'ai pas mis tout le paquet, hein. C'est des paquets de 2 kilos. Heureusement, j'ai pas fait 2 kilos de pâtes. De bon. Mais bon, comme je dis à chaque fois, c'est pas grave. Ça me fera pour ma gamelle. De toute façon, moi j'adore les pâtes, donc voilà. Nous, on est une famille qui adore les pâtes. Moi j'adore. Maman. Cécile, elle adore. Laura, elle kiffe. Et Geoffrey, il est pire que moi. Lui, c'est presque tous les jours les pâtes. Je me demande si c'est pas à moitié italien, je vous prie, parce que faut. Si vous savez le tonne de pâtes qu'il mange, c'est incroyable. Encore Laura, ça va, elle mange, mais bon, pas autant. Mais Geoffrey, pas Geoffrey, oh là là là, je vous dis, pour ça, il m'a battu pour ça. Voilà, hop. Petite sauce tomate aux olives, vous voyez, hein, c'est vite fait, bien fait. Petite gamelle. Et puis là, j'aime bien cette petite casserole. Hein. Je ne sais pas pourquoi je voulais pas l'utiliser au départ. J'aime bien pour des petits trucs comme ça, pour des petits plats, même pour une petite soupe maison. Mais pas mal. En plus, je voulais rajouter cette casserole là. Hein. J'ai plus le couvercle. Le poulerde. Oui, le poulerde. Le poulerde était carrément moisi, le poulerde. À part qu'elle a tendance un petit peu à coller quand même. C'est pour ça que j'ai baissé le feu parce que celle-là, je sais qu'elle colle. Non, je mets pas tout, hein.
Bah, viens voir. Quoi? Non, il y a pas assez là. Bah, je mets tout alors, merci, au revoir. Bah, tu veux, je me coupe un doigt comme ça sera bien rouge. Non. Quoi, tu regardes Grey's Anatomy et tu veux pas que je me coupe un doigt? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Oui, bah, on sait, Grey's Anatomy. 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 Amatomy. C'est Amatomy. C'est la série. C'est la série de Cici, de Laura. Non, Laura, je ne sais pas. Celle-là, elle aime bien celui-là, Grey's Anatomy. Non, c'est Sandrine qui aime. Ah oui, c'est Sandrine. Ah, il y a un abonné qui m'a demandé des nouvelles de Sandrine, bah je sais pas. Elle s'est peut-être fait kidnapper. Non, ça va. Par des extraterrestres, j'en sais rien. Mais apparemment, bah ça va. De toute façon, elle bosse, hein. Faut bien qu'elle paye ma retraite, hein, la jeune, là. Ça ne paye pas la retraite, je fais comment, moi? Sylvie qui veut nous appeler. Quoi? Sylvie qui veut appeler. Et quelle heure? Bah, il y a l'appel, mais pas trop tard. Après, moi, j'ai un métier. Là, je lui dis pas du tout. Bah, elle peut t'appeler à toi, c'est pas grave. Non, elle veut nous appeler. Non. Ça vient pas des gens. Donc là, on va goûter. Ça manque des épices, les enfants. Ah non. Ouais, tais-toi, c'est moi qui fais à manger. Tu mets pas toutes les épices, hein. Si. Ah non, moi je ne mangerai pas, Game. Si tu... Tous les épices, c'est mes maîtresses, donc je mets tout. Ouais, bah non, moi je vais mettre mes amants avec. Ça, tu les mangeras pas, les pâtes. J'en ai, hein, des légumes verts. Mais non, je vais mettre du persil, du sel, du poivre et un peu d'ail, c'est tout. Après, si je veux d'autres épices, je les mettrai moi dans mon assiette. De toute façon, ce que tu prends. Oh la main. C'est beau, toi, avec ton torticolis. Ah, j'ai un torticolis, les enfants. Enfin, un début de torticolis. C'est encore une fois mon travail, voilà. Pour pas changer, hein. J'ai l'impression qu'il est en train de me porter la poisse. Ce boulot de merde, là. Bon, il y en a qui vont dire « Ah ouais, tu dis un boulot de merde, mais par contre, tu es bien content d'être payé !» Bah oui, tu es content d'être payé quand même, mais ça reste pas, c'est un boulot de merde. Voilà, je fais question-réponse, maintenant. Monseigneur, touchez ma bosse, Monseigneur. Je sais pas si vous avez dit que les pâtes c'est du travers de porc, mais c'est du travers de porc qui est déjà cuit. Hein. J'ai pris au marché dimanche. Voilà, j'ai juste à le découper, le mettre dans l'assiette et le faire réchauffer. Voilà, ça avec des bonnes petites papates. Ça fait longtemps là, on n'avait pas mangé des pâtes. Enfin, que j'avais pas fait des pâtes surtout. Donc voilà, hein, j'ai juste des petites coquillettes toutes simples, hein, avec petite sauce tomate simple. Un peu de persil, un peu d'ail, un peu de sel, un peu de poivre. Et bah, ça ira très très bien, les enfants. Voilà le petit plat vraiment tout simple. Par contre, le sel, on le mettra nous-mêmes. Parce que je sais si elle aime pas trop. Enfin, elle aime bien salé, mais bon, sans plus. Il y a encore un acteur qui est décédé. Ah bon? Jean-Pierre Bacry.
Oui, il a joué dans quel film? Si, il est connu, c'est lui. Ouais. À moins, il aura vécu. Ça arrête pas, c'est le capot. Bah c'est normal avec ce putain de virus là. Il dit pas si c'est ça. Bah oui, mais c'est plus que sûr. C'est plus que sûr. Bon voilà, les petites papates, ils sont cuits-cuits. Hop, on va mettre ça là. Voilà, ça, je vais mettre ça là pour éviter de tout salir. Le sel, je vais le laisser là. Ensuite, hop, je vous remonte les enfants et on va couper la viande-viande. C'est rien. On va couper la viande-viande. Alors, déjà, il faut mon couteau à moi. Il faut mon couteau, parce que si j'ai pas mon couteau, je suis pas bien. Je risque d'avoir un malaise. L'autre, il a fait 158 tentatives avant d'avoir son permis de conduire. En Waouh! Angleterre. 158! Alors, je sais pas si en Angleterre, si c'est comme nous, s'il paye à chaque fois, Mon seigneur! Putain, lui, il a fait fort. Ah, je vais vous déplacer. Donc, j'espère que vous n'êtes pas malade, hein, vous n'êtes pas attrapé le. Oh, pauvre toto. Il y a de la neige autour de lui. Il y a quoi? Parce qu'il a joué dans la neige et regarde. Il est tout blanc? Ça c'est. Non, mais la neige s'est collée sur lui quand même. Oh, le pauvre. Non, mais il faut lui enlever. Ou alors peut-être qu'il y a un truc qui est peut-être tombé de neige. Ouais, mais il va attraper la crève Non, mais là. ils vont lui enlever. Là, il a fumé, mais ils vont lui enlever. Le pauvre toutou. Le toutou et son pépère. Mais il y a un chat, il rentre par là. Tu sais, il passe par là. On s'appelle cette porte là en dessous. Oui, je vois. Et les parents, ils disent, t'as vu l'heure? C'est pour le couvre-feu. Couvre-feu, mais pas pour les chats. Bonjour. Bonjour, 3 heures après la meuf. Bonjour. Ça, ce soir, bon appétit. Bon, je vais couper. Oh, c'est quoi comme salade? Ah non, c'est une nana qui mange ça. Des œufs, de la Des œufs mâche, durs, la mâche, des carottes. des petites tomates, du bâtonnet de crabe là, surimi. Ouais, et c'est quoi la viande? Je sais pas, on dirait peut-être du comme nous, là, travers de porc, peut-être. Mais là, ça a Même l'air pas, on dirait d'être de la poitrine là, ça a l'air d'être des ou du lard. clémentines ou orange. Je me snipe au lard. Mais tu sais, des fois, une salade comme ça suffit. Manger. Alors, faut que je cherche Naugalos. Si je coupe le Naugalos, ça va pas être possible. Voilà un petit Le peu. premier verre que je vais commander après le confinement, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Merde de verre, toi. Cocktail, même la nana, là, mais tu vas la porter. Bon, bah voilà. C'est que des fruits. Oh là là. Moi, je me régale un truc comme ça. J'espère mettre ça dans mon assiette. N'importe C'est un quoi. cocktail de fruits. Oh là 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 là. Dans l'assiette. J'adore ça.
Donc bah voilà. Un pour moi, un pour Cécile, un pour moi, un pour Cécile, un pour moi, un pour Cécile, un pour... Non, celui-là est trop cramé. Un pour moi, un pour Cécile, un pour moi, et un pour Cécile. Donc ça, hop. Pendant que je machine ça, comme ça, vous allez voir la vieille. Enfin, quand je vais tout faire chauffer d'un coup. Je vais pas me prendre la... Je sais pas pourquoi je suis en train de faire joujou avec les assiettes, alors que je vais tout faire Pardon, chauffer. excusez-moi. Dites-nous en barre d'infos, qu'est-ce que vous avez fait de beau à manger, les enfants? Je recommence à avoir mal à mon cou, moi. Ouais, bah moi aussi j'ai mal à mon cou. Il y en a marre un vieil. T'as vu le flamant rose là, il danse. Bien. Bon, voilà, c'est les autres. Je sais pas si tu l'as déjà vu, c'est plus. Regarde. Ah ouais. Non mais le T-Rex aussi. Tous, ils dansent tous. Le flamant rose, il me fait rire, même dans la voiture. Et il aspire, en plus, il marche. C'est l'amour. Ah, ça y est, j'ai une nouvelle chanson, c'est l'amour. Oh non. Depuis ce matin aussi, pareil, au boulot, j'ai arrêté pas de la chanter. Mes collègues, ils m'ont regardé, dit, ça va, Guillaume? Je fais, oui, mais j'ai ça depuis ce matin, à mon réveil. C'était la chanson de qui? C'est l'amour. Nanana, c'est l'amour. Ouais, mais je sais plus comment il s'appelle. Nanana. Ah, je vois son visage, mais je me rappelle plus son nom. Mais comme je sais que nos abonnés sont très intelligents, ils vont pouvoir me dire Non. qu'est-ce que c'est comme qui est ce chanteur mystérieux qui chantait C'est l'amour dans les années, je crois, c'est années 80. Ah, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. C'est entre 80 et 2000, je crois. Donc bien sûr, pour ceux qui connaissent, hein, si vous êtes trop jeune, à mon avis, vous connaissez peut-être pas. Pardon. On va punir tous les coca. Oh, c'est chiant, 18 ans, on peut même pas faire nos courses et tout, ça galère. Ah, je vous explique pas les enfants, comment c'est la galère. En plus, tout est fermé quand t'arrives. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand tu rentres, t'arrives vers chez toi, tout est fermé. T'as l'impression d'être à dimanche. Donc là, je fais chauffer mes petites travers. Mes petites travers de porc. Toi aussi, c'est pareil, ça fait longtemps, longtemps qu'on en a pas mangé. Donc, vous voyez, hein, c'est un petit truc tout simple, hein, pour ce soir. Hein. Des pâtes, travers de porc. Après, ça peut donner des idées. Hein. Je sais pas, ça peut peut-être vous donner envie. Hein. Donc, je n'ai pas encore répondu sur les vidéos. Ben, je sais que j'ai mis pas mal, en ce moment, j'ai mis pas mal de petites vidéos. Je n'ai point encore répondu, donc ça m'étonne même de moi-même, parce que. Normalement, je réponds tout le temps. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous dis, hein, ça sera fait cette semaine ou la semaine prochaine.
Mais on. Il n'y aura même pas une semaine, c'est en même pas une ou deux jours, même 3 jours minimum, ça sera. Tout sera. Tout sera mis sur les commentaires. Donc merci, hein, merci quand même, hein, entre parenthèses, merci pour tous vos commentaires, c'est super gentil. Merci pour les petites nouvelles, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles en commentaire, donc merci à vous, On est passé à 1880. c'est super gentil, et on est passé à 1880, Enfin, je crois. si, 1880, donc c'est génial, c'est super, c'est magnifique, c'est splendide. Mais bon, on est encore loin des 2000, hein. En plus, vous voyez, je les aurais même pas pour mon anniversaire. Je me dis, si j'ai pas eu à Noël, je les aurais au jour de l'an. Si je les ai pas Alors, c'est pas eu, possible. si je les ai pas eu pour mon jour de l'an, au moins je les aurais eu pour ma fête. Et manque de bol, bah voilà, il y a. Kuchi kuchi, kuchi dans les prés, zazizazizaza, kuchi dans les prés, zazizazizaza. Donc on recommence, je vous redescends. Vous allez avoir le tournis avec moi, à force de vous remonter, vous redescendre, vous allez dégueuler. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 5. Voilà. On fait comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ça, comme ci, comme ça. Voilà, tu as femme. Et tu as rien dit, moi. Et on va mettre tes papates au milieu. Voilà. Regardez cette bonne petite poterie de papates. Allez, tu poses ta gamelle et tu te démerdes. Ça, c'était à la campagne, ça. Les grands-parents, ils posaient la gamelle. Tu te démerdes, tu te sers. Voilà la première assiette. La deuxième assiette. Donc en entrée, moi j'ai mon truc de Martin Pêcheur à finir là. Ma petite salade. Et si, bah je sais pas. Tu m'en mets pas trop. Allez là, ton assiette. Oui. C'est bon? Oui. Ou tu veux la moitié avec moi, du Martin Pêcheur? Salade de pêcheur, pas Martin pêcheur. Ouais, mais Moi, il me reste des cœurs de palmier, mais je crois. J'ai une boîte. t'as pas ouvert une boîte pour les cœurs de palmier. Oh bah tu sais, j'ai mangé vite fait. Oh, mais dis-le-moi avant que je mette tout la table, tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ci, tout ça, hein, tout ça, tout ça. Bon voilà. Voilà nos deux petites assiettes. Voilà, des travers de porc avec des coquillettes à la sauce tomate aux olives. Bien sûr, la sauce tomate toute prête, hein, bien sûr. Et avec un petit peu du bidu chouette à la marche arrière. Et voilà, et on dessert bah, comme d'hab un petit yaourt. Donc en entrée, voilà, moi c'est ça. Et Cécile, bah, je sais pas, soit elle va manger avec moi ou. Soit elle va cracher dans mon yop. Ou j'en sais rien, je sais pas. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo de petits plats du soir, tout simple, tout simple, tout mimi, tout gentil, tout mignon.
Donc n'oubliez pas de liker, de partager, de donner la petite cloche, de vous abonner, mais surtout ne vous oubliez pas de vous abonner, ne vous oubliez pas de partager nos petites vidéos, ça nous ferait très très plaisir aussi. C'est gratuit et ça mange pas de pain et c'est pas cher. Voilà. N'oubliez pas aussi d'aller sur la chaîne de Queen Cécile, tout en majuscule, et sur ma deuxième chaîne de l'univers painting et création, sur le spray painting et du scrapbooking. Wally walou! Sur ce, passez bonne fin de soirée et à demain pour une nouvelle vidéo de petit plat du soir. Je pense que ça sera peut-être du Ah, il y avait un truc. Je pense que ça sera du poulet. Parce que c'est pareil, comme c'est des produits frais. Bon, le poulet il reste quand même assez longtemps, mais bon, j'ai pas envie de quand même le foutre à la poubelle. Donc demain ça sera du poulet. Demain ça sera mardi, donc mardi poulet. Poulet avec je sais pas quoi. Peut-être qu'avec des chips ou j'en sais rien. Ouais, moi j'ai très bien avec les chips. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, demain, soit tu pars plus tôt ou alors. Mais je ne peux pas partir plus tôt! Ouais, mais là, il y a un problème. Hein. C'est comme ça, si on doit finir à 18h, on finit à 18h, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, j'y suis pour rien. Hein. Ouais, mais il va falloir que Link te fasse une dérogation. Hein. L'employeur. Hein. Mais personne n'a eu ça! Eh ben oui, mais il faut qu'il faut la fasse pour 15 jours. Hein. Si tu te fais arrêter, t'as droit à une amende de 135 euros. Mais je l'ai sur mon truc de téléphone. Oui, mais c'est pas ça qu'il faut. Bah au moins, c'est déjà mieux que rien. C'est que pour les gens qui rentrent du travail, les gens qui vont... Et ben, ça aussi, je rentre du travail. Ils vont pas chier une pendule, les flics, non? Par contre, tu seras obligé de me laisser pour demain, parce que c'est pas possible. Hein. Bah, je te laisserai 20 euros. Il veut pas me laisser, hein, les sous. Hein. Ça l'a bien emmerdé là parce que là il est obligé de laisser. Oui, mais après toi tu vas aller chercher Martine, tu vas aller chercher Sandrine, vous allez aller en restaurant, vous allez tout dépenser. Bon, sûrement je vais aller chercher. Et moi après je vais plus rien, je vais plus avoir de sous. En couvre-feu je vais aller les chercher. Je vais plus avoir de sous. Je me prenne une amende. Regardez la tronche. Parce qu'il veut pas laisser, il a peur. De quoi? J'ai pas peur. Mais moi, si j'ai besoin, je fais comment, moi? T'as rien besoin, tu travailles. J'ai un carrefour en Rungis là-bas. Hein. Bah, tu me dis que tu peux pas aller chercher. Mais parce que j'ai 10 minutes déjà pour y aller. Après, le temps de faire les courses, c'est mais peu. Ça va être pareil, ton carrefour Rungis, ça va être fermé à 18h. Non, mais je te parle au moment du miam miam. Ah, midi? Bah oui. Bah tu vois, tu fais ça et puis. C'est comme tu veux. Bah, je te laisse quand même 20 euros comme ça. Comme ça, tu pourras des boissons ou je sais pas. Mais bon, t'achètes pas le magasin, bien sûr. Avec 20 euros, je prenais moins. Mais c'est jamais que 20 euros, tu veux quoi encore? Pas d'acheter le magasin. Oh, c'est dingue ça. Comme ça, si je trouve les fameux wings là, les gros paquets comme il prend. Là, il est en train de me trouver des excuses pour pas me laisser de l'argent. Comme il prend Farid et mon chef, c'est 4 euros. Depuis le temps que je lui dis d'aller là-bas, il a jamais été, comme par hasard là, dans le couvre-feu, il veut y aller là. Ben c'est normal, hein, C'est ça parce qu'il veut pas me laisser d'argent, mais je le connais, hein. C'est abruti, il ferme à 18h. Moi, quand je laisse ma carte bleue, ça le dérange pas, mais alors hein, quand il s'agit de laisser la sienne, oh là là. C'est normal, vous n'allez pas même payer. En entrée, il y avait le filet de macro. Bah oui. Bah oui, oui, bah oui. Oui, 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 voilà. Bah sors, prends-les, mets sur la table. On m'en joue. Là-bas. Là-bas. Mais là, j'ai mal au cou à rester. Oui, bah moi aussi, j'ai mal au cou pour de rester. Mais j'ai pas fait mes cheveux, c'est pas peine de regarder. Hein. J'ai pris ma douche, mais j'ai pas fait mes cheveux. Voilà, allez, hop, au revoir. Bon, petit plat en équilibre. Oh là, comment elle parle aux abonnés? Mais je rigole, oh là 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 là. T'as pas honte de leur tourner le dos? Je regarde Laurent Mariotte. C'est une insulte. Ah bah non, il refait la même chose qu'il a fait à midi. C'est avec des bananes. Banane Suzette.
Banane Suzette, bon, dans la vie des Suzettes. C'est, elles sont flambées. Pas. Mais moi, j'aime pas. T'aimes pas la banane flambée? Non, j'ai horreur de ça. Ah bon? Ça m'écœure. Je peux de la manger la banane, je peux de la manger comme ça, il n'y a pas de problème, mais cuit, j'aime pas. J'ai envie de dégueuler. Il met du. Du sucre de canne. Sucre de canne, je pense. Zeste d'orange, non? Donc, si vous voulez regarder, bah voilà, c'est là. Zeste d'orange. Une petite thèse d'orange. Ah, bah non, le jus aussi. Oh, j'ai rien compris, là. Oui, c'est pour le goût. Voilà, petite banane. Là, il met du jus d'orange, regarde. Oui, bah, il va le glacer avec ça. Avec le restant du sucre et tout. Ça donne faim. Et là, du Grand Marnier. Il va flamber. Le feu a raison. Voilà, et puis tu sers comme ça, voilà, sur une petite. Et remets encore des zestes d'orange. Voilà, c'est des bananes Suzette. Suzette, oui. Ça s'appelle des bananes Suzette. C'est bon, hein. Ça. Moi, déjà, la banane flambée, j'aime bien. Donc... Ouais, ça m'a l'air d'être bon, mais moi, je peux pas. C'est sûr, en voyant le truc, c'est sûr, ça m'a l'air d'être super bon. La rigueur, il aurait pu être de l'ananas, oui, il n'y aurait pas eu de problème. Peut-être qu'on peut faire. Bah, tu peux faire. Mais la banane, c'est. Je peux pas. Je peux pas, ça passe pas. Là, il a mis un truc blanc à côté. C'est une blase, c'est une blase à la poire. Ah bon? Voilà. Tu peux faire une ananas, hein, t'es pas obligé de faire. Oui, on peut faire l'ananas, oui, je sais. Ah, c'est. Ouais. Bon, sur ce, je sais pas si vous avez dit. Oui, bah si, je vous ai dit vous abonner maintenant. Hein. On vous fait de gros gros bisous, puis peut-être à demain si tout va bien. Voilà. Allez, ciao les loups, bisous bisous à vous tous. Oh, pardon, excusez-moi. On vous aime, ciao ciao. Burp, 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 burp.